4e audience du procès des biens mal acquis dans lequel le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang-Mangue, est incriminé, s'est tenue ce 26 juin dans une atmosphère tendue. Elle était consacrée à l'audition des témoins, dont 6 pour les parties civiles, en collectif de 19 associations et mouvements d'opposition au régime de Malabo, la Corée. Cet individu est un escroc. Il a tenté, en prenant le nom de la Corée, de lever des fonds sur Internet. Présent au début de la création de la CORED, il en a été éjecté avec perte et fracas, car dès la publication des statuts de la CORED qui est d'ordre public et que tout un chacun peut se procurer gratuitement, il a réussi avec un complice à escroquer le dictateur assassin Obiang en lui vendant pour 30 000 euros une copie des statuts, qui plus est, ce faux opposant en exil à la solde du dictateur assassin Obiang se fait raccompagner avec la complicité du dénommé James par les véhicules de l'ambassade de la Guinée équatoriale en France.